Kim, là, j'ai l'impression que ton fessier, non, dans l'angle où là, ça a été filmé, je pense pas que ça soit vraiment adéquat. Donc, vous allez refaire la sextape, Reggie. Reggie, ouais, Reggie, Reggie, bah oui. Oui. Non, Reggie, c'est pas toi qui décide, Reggie. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà, tu vas aimer de toute façon. Mets un petit j'aime parce que tu vas aimer, voilà, c'est ça que je voulais dire à la base. Mets un petit j'aime comme ça tu vas aimer. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne. C'est de pouvoir te permettre d'être déterminé par sa action et créer ta vie sur mesure. Parce que là, tu viens de cliquer sur la vidéo parce que tu veux en savoir plus sur la sextape de Kim Kardashian. Donc ça, c'est très bien de s'intéresser à ce qui se passe dans la vie des gens qui sont riches. Mais j'ai envie de te dire, ce serait aussi pas mal, maintenant que j'ai ton attention, de te dire peut-être que tu pourrais en faire aussi autant. Hein? Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert. Avant de crier à l'arnaque, jette un coup d'œil. D'accord? Donc regarde, je te montre le produit, comment j'ai vendu, le marketing, les systèmes que j'ai mis en place. Évidemment, ce n'est pas fait pour les fainéants. Enfin, à moins que tu veux juste regarder comme ça et pas appliquer. Mais en tout cas, c'est gratuit, c'est offert. Et deuxième chose, ça c'est pour ceux que tu me connais déjà. Toi, si tu viens juste d'arriver pour regarder la sextape, coupe ce passage. Ok? Bon, si jamais tu connais déjà, tu sais qu'il y a un opérateur marketing où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5K minimum par mois. Ça va pas se faire du jour au jour. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Tu sais déjà, j'ai rajouté en bonus complémentaire comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir en immobilier, comment investir dans les startups, un bonus complémentaire sur le personal branding aussi, un expert qui a travaillé avec Coca-Cola et un bonus complémentaire sur l'e-commerce. Et en plus de ça, tu auras accès à l'incubateur qui te donnera accès à du coaching sur le business, le marketing, ton pourquoi, etc., le mindset. Tout ça complet, tu pourras y accéder en plus via ton CPF si jamais tu le souhaites. Donc, tout ce que tu as à faire si tu veux en savoir plus, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom. C'est un appel qui est offert, c'est sans engagement. Tu pourras poser toutes tes questions et on se fera un plaisir de pouvoir y répondre. Donc arrête d'avoir peur, c'est simplement un appel. Les gars, ils ont peur. Si tu as déjà peur de prendre un appel, comment tu veux créer un business après derrière? Donc l'appel, il est offert, il est gratuit. On t'accompagnera à monter ton dossier et à prendre les accès pirate marketing. Et après, ce sera long, ce sera dur. C'est pas un bouton magique, arrêtez de rêver les gars. Mais en tout cas, ça en vaut la peine. Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP à être technique. J'ai grandi dans le quartier des pyramides. Arrêtez de chialer les gars. Hein. Soyez des hommes un petit peu. J'ai l'impression que le taux de testostérone, on sait plus où est-ce qu'il va là. Il descend. Je suis impressionné. Jusqu'où il va aller? Donc arrêtez de chialer, les gars. J'ai connu le business super tard. J'avais 33 ans, 34 ans, je crois. Maintenant, ça fait plus de 3 ans que je voyage. Aujourd'hui, je suis au Mexique. Je suis en Colombie, je suis au Canada. Mais ça, si jamais tu fais rien, il va rien se passer. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Alors, les gars, je le savais. Tu sais que j'ai déjà fait des vidéos sur Kim Kardashian. Hein, et tu vas savoir pourquoi j'ai fait cette vidéo à la fin. Donc, reste attentif. Donc, du coup, les gars, ça y est. Enfin, la vérité, bon, on le savait déjà, tu t'en doutais, je sais que tu le savais. Géraldine, je ne suis pas sûr, mais toi, je savais que tu le savais déjà. Hein. C'était un coup monté. Bon, ben voilà, c'était un coup monté. Bien joué, Kim. Qui est-ce qui les a balancés? Bon, ben, c'est Reggie. Hein. Reggie, donc, c'est le gars qui a fait la sextape avec elle, hein. C'est son ex. Hein. Donc, il la balance. Il a montré le contrat, il a dit, bon, c'est bon, maintenant, il y en a marre. il s'est vénère. Voilà, il y en a marre maintenant. Bon, je te laisse voir la vidéo où il en parle. Il a fait ça en live Instagram, en plus. You want to see the sex tape contract? There go the sex tape contract. There it is. There's the whole thing, right? That's the set. That's my handwriting. That's it, right? This is the sex tape full contract. So that's my handwriting. Here's what happens. Kim is rushing me. Her mom's rushing me. Let's get this done. Come on. Like, let's get it signed. Kim's with me while I'm signing my contract. She's like, hurry up, babe. Matter of fact, I'll go ahead and help you. I'm going to sign your deliverables for you so you can just rush it through. So Kim signs the deliverables, exactly what we about to sell to Vivid. It's her signature. I mean, it's her handwriting. Giving Steve giving him the right to sell it. Like, here's the deliverables. And look who signed my deliverables and was in the room. Look who was in the room with me. Look who wrote exactly.
Apparemment, tout s'est fait dans les règles de l'art. Hein. Petit contrat. J'ai vu à un moment écrit sex step 1, sex step 2, sex step 3. Les gars sont organisés. Et tout ça, c'est la mère de Kim Kardashian qui a organisé ça. Mon gars, c'est ouf. Et apparemment, il y a même un truc que j'ai entendu que. Je sais plus dans quelle vidéo j'ai vu ça. Où genre, la première sextape, la mère, elle a dit non, ça met pas assez bien en valeur Kim, on va refaire. Ouais, voilà, ils avaient fait une sextape, elle a dit on va la refaire parce que je trouve que ça la met pas assez bien en valeur. T'imagines le degré de truc. Là, j'ai envie de te dire, tant qu'il y a de l'oseille, la maman, je sais plus comment elle s'appelle, la maman de Kim, frère, elle a pas froid aux yeux. J'ai envie de te dire, là, il n'y a aucun problème. T'imagines les réunions. Bon, alors, Kim, là, j'ai l'impression que ton fessier, non, dans l'angle où là, ça a été filmé, je pense pas que ça soit vraiment adéquat. Donc, vous allez refaire la sextape, Reggie. Reggie, ouais, Reggie. Reggie, bah oui. Oui. Non, Reggie, c'est pas toi qui décide, Reggie. Ok, donc vous allez refaire la sextape et essaye de te mettre dans une position, Kim, quand même. Parce que là quand tu étais dans cette position, je pense pas que ça soit. Je sais ce que je fais, Kim. Ok? Je sais ce que je fais, ok? Donc non, mais c'est un truc de malade. C'est là que tu dis, quand tu apprends des trucs comme ça, tu te dis, c'est des trucs, tu sais, on savait que c'était pas vrai. Mais quand tu as vraiment le truc, tu vois, le contrat, les trucs, machin, les dessous, tu te dis, ah ouais, non, les gens, ils sont trop forts. Les gens, ils sont prêts à tout pour l'oseille. Donner sa fille comme ça, montrer ses fesses, tout ça, et faire croire à toute la planète que c'est normal. Non, plus j'avoue, elle a super bien géré. Parce que... franchement, elle est super bien gérée parce qu'aujourd'hui, Kim, tout le monde fait comme si c'était normal, quoi, en fait. Tout le monde, elle était à la Maison Blanche. Bon, je pense que Kanye West l'a aidé beaucoup pour pouvoir revaloriser un petit peu son image, hein, honnêtement, hein, parce que sinon, je pense que ça aurait été compliqué. Mais là, depuis, là, on dirait, mettons, c'est normal, et mettons, elle est milliardaire. Hein. Voilà, milliardaire. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? Non, parce que Reggie, il est en train de chialer, mais s'il serait milliardaire. Parce que là, il est en train de dire oui, ouais, pour l'honneur, pour mes enfants, vous me salissez trop, vous faites trop comme si c'est moi le méchant. Maintenant, c'est bon, j'en ai marre. Bon, t'en as marre parce que t'es pas milliardaire. Tu serais milliardaire quoi. Parce que Reggie, je suis sûr que tu le connaissais pas. Pour les plus jeunes d'entre vous, je suis sûr que vous connaissez pas Reggie. Peut-être ça se trouve, il y en a, ils savaient même pas que Kim elle avait commencé grâce à une sextape. Donc, je sais pas si t'es au courant, mais en fait, c'est au cas où, elle a fait une sextape, mais c'est comme ça qu'elle a été connue. C'était personne. C'était une femme, comme ça, voilà. Mais tout a été planifié par contre. J'avais vu, elle avait dit qu'elle avait refaire ses fesses, machin, et que genre elle allait rendre la beauté brune à la mode. Donc elle avait tout était planifié. Moi je pense que c'est sa daronne parce que c'est juste déjà penser au truc de faire la sextape, ils étaient vraiment en mode comment on peut faire de l'oseille. La mère, elle était en mode comment on va faire de l'oseille. C'est ouf, c'est sûr. C'est genre pour mettre un plan comme ça carré. Et donc c'est après comme ça que genre. Ils ont été connus derrière. Après, elle avait déjà un produit à vendre. Dès qu'elle a eu la sextape, ça a soi-disant fuité. Voilà, elle avait déjà du business à vendre, quoi. Elle avait déjà des produits. Et direct derrière, ils ont commencé le truc, leur show, là. Donc, vraiment incroyable. Et donc, du coup, là, tu te dis, mais Joe, pourquoi tu fais cette vidéo? Où est le point central? Quel est le lien? Parce que là, ça part quand même en gossip. Calme-toi. Je sais très bien ce que tu veux dire. Mon point principal... Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pour qu'il y ait un lien quand même pour faire genre. C'est tout simplement que, comme je le dis toujours de toutes mes vidéos, l'argent suit l'attention. L'argent suit l'attention. C'est incroyable. Parce que des fois, en fait, même si je savais que c'était... Je doutais, je disais non, mais peut-être... Il y avait une partie de moi qui doutait, qui me disait peut-être c'est pas un truc planifié. Le contrat et tout machin. Donc ça veut dire que vraiment planifier, hein, de montrer ses fesses, et derrière, faire du business en transformant l'attention en argent, eh ben, ça a bien fonctionné pour elle. Voilà. Donc aujourd'hui, elle est milliardaire. Donc les gars, alors Géraldine, je t'ai pas dit de montrer tes fesses. Calme-toi. Déjà, puis en plus, je sais pas si jamais il y en a tellement qu'on montrait aujourd'hui. Je sais pas si c'est toujours si tu vas autant attirer l'attention qu'avant. Avant, c'était un peu plus rare quand même. Aujourd'hui, si tu montes tes fesses, je suis toujours là. Oh, ok. Passe à autre chose, tu vois. Mais moi, c'est surtout ce qui m'a marqué, c'est que genre, tout le monde s'en bat les reins. Ça veut dire, j'ai vu personne qui a dit « Oh, c'est abusé, Kim! Oh là là, la mère de Kim, c'est abusé! Oh. » Non, les gens sont plus en mode genre « mange des pop-corns. Oh là là! Oh là là, qu'est-ce qui va se passer, Reggie? Oh là là! » Mais c'est tout, quoi. Les gens s'en battent les reins. Ils ne remettent pas en question. Ils n'ont pas arrêté de dire « Ah, mais j'ai un follow Kim! Ah, ils nous ont menti depuis le début !» Non, j'ai vu aucune réaction comme ça. Pourtant, je suis le shade room qui est quand même en majorité suivi par des femmes.
tu vois, c'est un média américain, voilà. Bon. Et donc, du coup, j'ai regardé les commentaires, il y a personne qui a dit, mais c'est abusé qu'ils nous ont menti depuis le début. Non, tout le monde se moquait de Reggie, ils ont fait, oh, Reggie, c'est bon, oh, calme-toi, oh là là, arrête de chialer. C'était comme ça, gars. Mais pour te dire que, une fois que l'argent suit l'attention, voilà le cœur de la vidéo. Donc, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses en commentaire. Si toi tu te doutais que c'était un coup monté, mais franchement, je pensais pas que c'était un coup monté à ce point-là quand même. J'avais des soupçons, mais là c'est ouf. Là c'est ouf. Mais en tout cas, bien joué. On peut que. En tout cas, businessment parlant, bien joué. Hein. Je veux dire, chacun a utilisé sa stratégie pour avoir l'attention. Hein. Bon, elle a choisi de faire une sextape. Bon, ben voilà, hein, la mère, elle, de toute façon, elle gère super bien, la mère. Hein. On va pas se mentir. Hein. Bon, après, je sais pas si j'aurais fait ça pour ma fille. Chacun a ses valeurs, chacun voit midi à sa porte. Bref, en tout cas, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on reste déterminés, il y a eux et il y a nous. Je suis avec ton camp.